Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la bienheureuse Vierge Marie et soutenue par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Noé regarda, et voici ce que la surface du sol était sèche. Livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allées et venues jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sous la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui, cette fois, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, en premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit aussi, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, puis des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur. Il se dit en lui-même : jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait.
tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : Aperçois-tu quelque chose ? Levant les yeux, l'homme disait : J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant : Ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cet évangile de saint Marc, nous voici touchés par Jésus. Jésus vient imposer les mains, donner cette force de Dieu à ceux qui le désirent pour continuer d'avancer plein d'espérance, pour continuer d'avoir la force d'élever la coupe du salut et d'avancer derrière le Christ. Si nous sommes aujourd'hui même en pèlerinage à Fatima,
c'est pour prier par l'intercession de la Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, et lui demander de venir guérir nos plaies, nos blessures, nos maladies, nos infirmités, ce qui nous empêche parfois d'avancer. Demander à la Sainte Vierge de faire grandir notre foi. Jésus, j'ai confiance en toi. Impose ta main sur moi et je serai sauvé. Voilà une prière forte que nous pouvons adresser au Seigneur afin qu'il nous aide à nous relever, afin qu'il nous porte. Chers frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir nous toucher et profitons de ce lieu de grâce pour vivre une véritable démarche de pèlerinage. Prenez le temps de goûter à la miséricorde du Seigneur par le sacrement de la réconciliation qui vient lever les mains sur chacun de nous et nous dire « Je te pardonne, je t'aime ». Continue d'avancer. Prenez le temps de vous poser et de goûter à l'amour de Dieu dans le Saint-Sacrement qui vient vous apporter tous les rayons d'amour suffisants pour continuer d'avancer dans la vie. Oui, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur d'avancer avec le Christ. N'ayez pas peur de lui faire confiance. N'ayez pas peur de vous abandonner dans les mains de Dieu. Il est là pour vous accueillir. Et la Sainte Vierge nous conduit, nous aide à avancer vers son divin Fils. N'ayez pas peur de vous laisser toucher par la miséricorde et la charité de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé et la mériter de le concevoir dans son sein virginal et en mettant au monde son Créateur et la donner naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfant tous les hommes. Engendrée à la vie surnaturelle par la mort du Christ, lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce diocèse et tous ceux qui ont la charge de son peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour le repos de l'âme de Juanito, d'Anna. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur Isabella et sa famille, pour Lucie et Jeanne Morel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps de Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu la joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la joie éternelle, à nous qui avons l'honneur de l'acclamer. Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et confions-nous en déposant toutes nos intentions aux pieds de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.